Herbault-Marcy, c'est quand même la capitale de la Narbonnaise. On a mis longtemps à la sortir de l'ombre. Beaucoup d'autres villes ont été traitées avant elle. Elle manquait. C'était un peu la grande absence. Il fallait essayer d'en proposer une restitution, déjà pour la ville. On peut imaginer que c'est une ville au tracé régulier, puisqu'elle est créée d'une seule pièce, d'un seul coup, en 118 avant Jésus-Christ. Mais ensuite, elle est développée dans une seconde phase, aussi à l'époque impériale. Donc c'est là qu'on va voir apparaître le Grand Temple, le Capitole, etc. Il y a donc toute une histoire à restituer. Avec l'inconnu de l'enceinte, enceinte ou pas ancienne, je dirais, du Haut Empire, ce serait la seule ville à ne pas en avoir. C'est bizarre, alors qu'elle est la capitale de la Narbonnaise. C'est pas parce qu'on n'en a pas retrouvé que ça n'a pas existé. Et surtout qu'on connaît mal, la ville actuelle est au-dessus de la ville antique, donc on n'a jamais pu le vérifier. Et surtout, après, au Bas-Empire, tout a été déglingué, réemployé sous d'autres formes. Donc, j'applique, moi, ce que j'appelle la logique du choix préférentiel. Du moment que la réponse positive à cette question est prédominante, elle a plus de chances d'en avoir eu que de ne pas en avoir eu. Donc c'est comme ça qu'on a procédé pour essayer de figurer quand même une enceinte. Pour la capitale, il est presque certain qu'il a existé un cirque, dont on n'a évidemment aucune trace, et dont on ne connaît pas l'emplacement. Pareil pour le théâtre. Mais bon, on n'en a pas trace, on ne sait pas où le placer. Donc on a essayé de redonner une image possible. Dans la bande dessinée, moi ça me suffit à faire un décor crédible pour mes personnages de la bande dessinée. On a fait sortir Narbonne de l'ombre sous cette forme-là pour une première fois. Alors pour le port de Narbonne, tout ce qui pourrait être digne s'appuie sur les recherches faites par Corinne Sanchez. C'est un port situé en rapport avec une lagune. Donc on va rentrer dans la lagune par un gros, une ouverture, donc, et puis ensuite elle posera des problèmes divers et variés, dont le problème de l'ensablement, qui est quelque chose de considérable, puisque se déverse dans la lagune un bras de l'Aude, qu'on appelle aujourd'hui la Robine, bon, l'autre bras se jetant directement dans la mer. Et cette Robine, elle va être intelligemment mise à profit pour servir de chasse d'eau, canalisée par des jetées, elle va aider, au fond, à pouvoir naviguer jusqu'à la ville. Donc, en gros, je rentre dans la lagune, il faut déjà savoir où naviguer pour ne pas s'ensabler. Il y avait peut-être quelques pilotes, sans doute aller à la douane, à déclarer sa cargaison, payer des taxes, etc. Et puis ensuite, gagner le chenal, où on va pouvoir déjà débarquer des matériaux de part et d'autre du chenal, et puis transborder sur des bateaux peut-être à fond plus plat, plus petit, naviguer donc par voie fluviale jusqu'à la ville où devaient se trouver de très grands entrepôts. Pour les autres installations portuaires, on en a connu une qui s'appelle la Nautique, que Corinne Sanchez a fouillée en particulier, mais on voit que justement ce lieu-là s'est ensablé assez rapidement. Donc pour l'instant, on a une idée donc de ces jetées, de tous les travaux donc que Corinne Sanchez a avancé avec des recherches archéologiques précises, des fouilles, et puis de la douane de ce bâtiment qu'on interprète ainsi, qui également a fait l'objet de fouilles archéologiques poussées et précises. Donc c'est cela Narbonne, c'est à la fois ce grand croisement routier avec la voie Domitia qui traverse la ville, un grand lien entre l'Italie et l'Espagne, et la voie Aquitania qui vient donc de l'ouest, Bordeaux, Toulouse, etc., qui va se croiser là. Donc grand croisement routier et grand croisement maritime. Donc c'est une ville qui est vraiment un noyau extrêmement important donc, à l'époque romaine. Mais sinon, il fallait révéler que Narbonne était une belle ville, parce que la capitale de la Narbonnaise avait fatalement un caractère monumental évident. Donc le Capitole en donne une idée, mais il faut aussi imaginer des rues à colonnades, enfin des belles voies principales, des Cunobelus Maximus, Cardo Maximus. Donc une monumentalité qu'il ne faut pas oublier, qui était fatalement là, qui n'avait rien à envier à Nîmes, Arles et autres villes de la Narbonnaise. Donc le but, c'était de la sortir de l'ombre. Beaucoup de recherches restent à faire, mais beaucoup ne seront pas faisables tant qu'on n'aura pas accès au sous-sol. Parce que l'essentiel de ce qui resterait à découvrir, soit est sous la ville, soit a été démoli, a disparu sur la fondation des édifices. On n'en sait rien, ce sont des questions de profondeur après. C'est pour cela que les recherches, petit à petit,
vont enrichir la connaissance. Mais en gros, on sera bloqué par l'extension urbaine sur les trois quarts des points d'interrogation qui restent posés pour Narbonne. C'est trop urbanisé pour qu'on sache rapidement davantage de choses.